Je suis Tien Chuan, très heureux de vous accueillir. Vous êtes Wang, Tien Chuan. Oui, Seigneur Chan. Veuillez entrer. Merci.
Dai Tang, pourriez-vous remettre cette photo à ma fiancée? C'est ma dernière volonté. Oui, Ching-Xiang. Soyez certain que je le ferai. Mais il y a une solution, si vous tenez à la revoir. Je suppose qu'il y a un marché. Oui, il faudrait nous débarrasser du chef des services secrets, Chan Piao. Tu es Chan Piao? Non, pas question. Pourquoi? Les gens qui entourent Chan Piao sont connus pour leur cruelle efficacité. Ce sont des tueurs, qui ne reculent devant rien. Et c'est cela qui te fait peur? Il n'aura qu'une petite escorte pour aller s'installer à Tung-Xiang. C'est ton pays d'origine, non? Il s'installe à Tung-Xiang? Je refuse ce marché. Je ne te savais pas là, Ching-Xiang. C'est étonnant. Ici, les ouvriers disent que tu es un héros. J'ai tué un homme pour eux. Je me suis battu contre le chef du camp parce qu'il leur volait leur argent. C'est pour cela que j'ai été condamné. Moi seul paye ce crime. Si je tuais Chan Piao, c'est tout le village de Tung-Xiang qui serait puni. Il y aurait des prises d'otages et on les tuerait. Il n'y aura pas de paix pour eux. Aussi longtemps que Chan Piao sera en vie, et tu le sais. Vous perdez votre temps. Je ne veux pas le tuer. Alors, je regrette, Ching-Xiang. Il me faut exécuter la sentence. Dommage qu'il ait refusé de nous aider. Il nous aurait été bien utile. Celui qui nous a attaqués était un espion du Sud, il a avoué. Les précautions que nous avons prises n'ont donc servi à rien. Miao, tu vas leur faire savoir que dès demain, nul n'aura le droit de passer la porte de cette cité sans présenter un pass signé de nous. D'accord, chef, je m'en occupe. Et ces chiens doivent payer les taxes. Les Japonais n'ont pas l'intention de leur faire de cadeaux. Nous leur prendrons leur récolte. Et préviens maître Wang Tianchuan que le paiement est urgent. Oui, chef. Pas vrai. Tu vois que si. Tu ne rêves pas. Tu es vivant. Et toi, qui es-tu? Rassure-toi, j'ai un nom. Tung Sehan. Si je te dois la vie, je t'en suis reconnaissant. Ching-Xiang, où est-ce que tu vas? À Tung-Xiang. J'irai sans personne. Je croyais avoir droit à ta reconnaissance. Est-ce que tu refuserais de m'aider? Je croyais que tu avais du cœur. J'ai horreur du chantage. J'ai pas besoin de serment, alors laisse-moi. Je veux aller avec toi, Tung-Xiang. Je dois tuer Chan Piao. Je vois, si j'ai eu la vie sauve, c'est grâce à Lai Tang. Mais je ne ferai rien pour son projet. C'est moi qui t'ai sauvé. Je te croyais un honnête homme. Mettons que tu t'es trompé. Ah non! Quelque chose, non? Oui, seulement je tiens à rester libre de mes actes. J'ai plutôt l'impression que tu as peur de tout. Ta façon de réagir est indigne d'un homme. Peur de quoi, grand Dieu? Je n'ai rien à voir avec la révolution. Je n'ai jamais dit que je voulais que ce soit toi qui tue Chan, mais il faut que tu m'aides pour entrer dans la ville. Prétexte.
D'autres gens t'indiqueront la route. Tu n'as qu'à y aller sans moi. La ville est fermée. Il faut un pass et je suis étranger. Je ne pourrai jamais y entrer. Si moi je t'aidais, ce seraient les habitants de la ville qui en pâtiraient. Allez, avancez. Père. Oui. Pourquoi nous demande-t-il toutes nos récoltes? Il ne nous restera rien pour vivre. Nous allons tous mourir de faim. Ils l'ont décidé, et ce sont eux qui commandent, ma fille. Il n'y a rien à leur dire. Ils ont gagné, ils sont les plus forts. Il faut en souvenir. À toi. Dépose ton sac. À toi, comment tu t'appelles? Enfantin. Tu n'as que ce petit panier? Oui. C'est pas beaucoup, ça. Oh, je suis désolé, Seigneur. Nous ne possédons pas autre chose. Hein? Menteur. Tu espères que je vais te croire? C'est trop bas, je suis allé. Laisse-moi faire. Seigneur Wan Kien-Chuan. Cet homme est pauvre, je le garantis. D'ailleurs, ce pays est le vôtre, alors défendez-nous. Les taxes qu'on nous demande sont au-dessus de nos moyens. Dites-le-leur, c'est votre devoir. Écoute, Tai. La dernière fois que j'ai eu affaire à toi, je venais d'être accusé de vol de bétail. J'ai été condamné, et je ne crois pas me rappeler que tu m'aies défendu ce jour-là. Wang Tien-Chuan. Personne n'a le droit de juger ce que je fais. Obéis sans discuter. Je saurai faire régner l'ordre ici. Je suis le maître de cette ville, vaut rien. Papa! Relève-toi. Oui. Capitaine Wang. Rentrez, Tai. Je vais lui parler. Oui, j'y vais. Tâchez de lui faire entendre raison. Cet homme était correct. Alors pourquoi l'avoir insulté et giflé? Il n'avait pas mérité. Vous devriez prendre fait et cause pour nous et nous défendre. Tu aurais l'audace de discuter les ordres de Chan Keung? Je suis là pour les exécuter. Oui, je le sais. Et je sais aussi qu'il vous fait confiance. Vous pourriez utiliser cette confiance au profit de vos frères, au lieu de faire le jeu de cet ignoble traître. Attention, Li. Si tu affiches de telles idées, j'en référerai à Chan Keung. Et alors, il pourrait détruire ton école. Sale vendu, tu serais bien content de te débarrasser de nous. Il m'a insulté. Corrigez-le. Salut. Ta force est incontestée, tu es un maître dans ton art et ton influence est grande sur les habitants de cette ville. Je vais te donner un conseil amical en ce qui concerne tes frères. Il faut que quelqu'un les oblige à être coopérants, sinon je devrais sévir.
Tu fais une erreur. En oppressant les gens, tu les pousses à la révolte au lieu de les gagner. Ne les laisse pas mourir de faim. Entrons. Wang Tianchuan, procède au ramassage comme je te l'ai ordonné. Je compte sur ta diligence. N'accorde pas le moindre délai. Un instant, mes amis, s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie, et écoutez-moi. Je sais ce que vous ressentez. Et je vous donne raison, sachez-le. Hélas, nous ne pouvons rien faire encore. Leur organisation est plus forte que la nôtre. Si nous agissions, il y aurait des représailles, des gens seraient exécutés. Pour sauver Tung Hsiang, nous ne devons pas laisser la colère nous entraîner. Soyons patients. Si nous devons être tués de toute façon, il vaut mieux combattre et les empêcher de continuer. Nous en aurons déjà tué quelques-uns. Et moins ils seront, moins il y aura d'esclaves. Ça sera déjà ça, non? On ne meurt pas pour rien si on abat des ennemis. Je ne suis pas d'accord avec vous. 10 vies à eux ne valent pas une des nôtres. Je vous ai pourtant enseigné la patience. Les grandes choses se font avec le temps. Je sais que la passion qui vous anime est généreuse. Seulement l'action serait inutile. Se battre serait un coup d'épée dans l'eau. L'armée révolutionnaire aura besoin de nous. Pour faire une révolution, il faut des hommes forts et nous serons là pour les aider. Il faut donc être prévoyant et nous entraîner. Notre travail et notre force seront la meilleure arme de réussite. Montre-moi tes sacs. Allez, avance. Rendez-moi un peu. Non! Va-t'en! Toi, montre-moi ton passe. Quel passe? T'as vu la pancarte, non? Cette cité est interdite. Et ici, c'est le contrôle. Je ne savais pas, je suis désolé. J'étais parti travailler en dehors. Mais je suis d'ici. J'ai pas le temps d'écouter tes histoires. Sans passe, tu ne rentreras pas dans la ville. Allez, ouste! Dehors! T'es malade, je vais te corriger. Je t'apprendrai à jouer les fortiches. Ah! C'est toi, tu es de retour. Alors vous le connaissez, ce voyou a voulu franchir le barrage sans passe. Ce garçon habitait ici. Il était allé travailler au champ, il a bien le droit de rentrer. Sans passe, c'est hors de question, personne n'a le droit d'entrer. Mais cette loi ne date que d'aujourd'hui et cet homme est parti il y a 3 ans. Ce sont les ordres de Chan Keung, sans passe, rien à faire. C'est moi qui serai responsable si jamais on le sait. Vous direz que tout est ma faute. D'accord comme ça? Sale bâtard! Ching-Chen, je suis content que tu sois de retour. Ban Hu n'était pas heureuse. Je ne repartirai plus maintenant, je resterai ici. Li Chang, est-ce que ton école marche toujours? Ah oui, toujours. Il y a seulement un peu moins d'élèves qu'avant. Je vais te laisser. Il faut que j'aille parler aux gens. Je dois obtenir d'eux qu'ils payent les taxes exigées. Sinon, ils auront de graves ennuis avec Chan Piao.
Je te reverrai plus tard. Oui. Banhu, tu es là? Banhu. Alors tu penses toujours à ton fiancé? Hein? Non, j'avoue que je pensais aux taxes. Comment allons-nous arriver à les régler? Notre existence tout entière serait trop courte. Nous sommes abandonnés du ciel. Oui, je suis aussi inquiet que toi. Et je crois pourtant qu'il faut que nous gardions espoir en l'avenir. Qui est là? Moi. C'est la voix de ton fiancé. J'arrive, j'arrive. Ching-Chen. Eh oui. Tu es de retour, Ching-Chen. Oui, et je reste maintenant. Ah. C'est toi. Vano. Quel bonheur. Vano. Ici. Pourquoi? Que voulez-vous? Ah, presque rien. Tu le verras. Allez. Tien-Chuan, je n'aime pas votre façon d'agir. Je vous en dis autant. Je sais que vous êtes intervenu de façon illégale, afin de laisser quelqu'un entrer dans la ville à l'encontre des ordres donnés. Les ordres de Tien Pioa sont sacrés et doivent être exécutés. J'admets que je suis intervenu en faveur de ce garçon. Je pense que son cas demande à être étudié. Soyez logique, Wong. Il est d'ici. Il n'y a pas de raison pour lui refuser de rentrer. D'ailleurs, vous le connaissez. Son nom est Ching-Chen, l'ouragan jaune. C'est celui-là? Oui, pourquoi? Est-ce que par hasard, il vous ferait peur? Non, je n'ai plus rien à craindre de personne maintenant que tout a changé. Il devra obéir aux ordres que je donne. Je ne suis plus celui qu'il a connu, heureusement. Je suis d'accord. Vous êtes pire encore, hélas pour nous. Li Chang, vos paroles pourraient vous coûter cher. Je n'ai qu'un mot à dire et vous serez tué. Si je meurs, vous n'obtiendrez plus rien des gens. Je me passerai de vous si j'y étais forcé. Mais c'est demain matin que je veux tout. Tout le grain, toutes les taxes qu'ils doivent payer, c'est clair, Li. Sinon, j'en prendrai quelques-uns sans regret. Wang Tien-Chuan, rappelez-vous que vous êtes l'un d'entre nous. Je me rappelle comment on m'insultait dans le temps, je n'oublierai jamais. Allons! Wang Tien-Chuan est un âne qui a revêtu la peau d'un lion. Il fait peur à tout le monde. C'est un homme méchant qui ne songe qu'à sa réussite. Il peut faire tuer n'importe lequel d'entre nous sans autre raison que de se faire valoir. Vous n'avez pas encore protesté contre lui, pourquoi? Le seul qui lui tient tête est Li Chang. Il ne peut rien changer. Écoute, Chin, tu devrais t'en aller d'ici et emmener Van Ho avec toi. Tien-Chuan, sors de là! Qui est-ce? Attention, c'est Wang Tien-Chuan. Il faut en aller. Tu n'as qu'à passer par la porte de derrière. Dépêche-toi. Ah, mais non. Je veux savoir pourquoi il vient. Je n'ai pas peur de cette pourriture. Oh. Wang Tien-Chuan, tu as beaucoup changé depuis notre dernière rencontre. Tout a changé. Il faut savoir saisir certaines chances. Je suis très puissant et j'aime beaucoup la vie facile qui en découle.
Tu voulais me dire quelque chose? J'ai entendu dire que personne ne t'avait autorisé à rentrer chez toi. J'ai toujours vécu à Tongxiang. J'ai donc le droit d'y rentrer sans histoire. Ah, cette ville a changé aussi. Tu ne peux ni y pénétrer ni en sortir sans une autorisation. Je n'ai peur d'aucun d'entre vous. Personne ne me fera la loi ici. Tu entends, Tien Chuan? Ce pays est le mien. Attention. Tu es tenace. Entendu, je t'autorise à rester. En te conseillant de te montrer obéissant. Si tu fais le moindre écart, ces hommes te ramèneront aux portes de la ville et tu retourneras d'où tu viens. Des menaces. Je n'ai rien à craindre de tes petits vauriens, Tien Chuan. Si je me battais contre eux, ils mordraient la terre en deux secondes. Ah oui? Eh bien, tu risques d'avoir une surprise et de te retrouver dehors. Hein, rentrons. Tu as eu tort. C'est dangereux de lui tenir tête. Tu devrais t'en aller loin d'ici avec Van Hu. C'est la seule chose à faire. Soyez tranquille. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de nous ces jours-ci. Ils attendent des Japonais, ils ont beaucoup à faire. Wang Tianchuan, je trouve vos inquiétudes insensées. Les Japonais seront là dans deux jours. Vous feriez bien mieux de collecter les taxes au lieu de vous occuper de ce garçon. Si je m'inquiète de ses faits et gestes, c'est que je sais l'influence qu'il peut avoir. Les gens d'ici lui font confiance et c'est un excellent combattant. Ce qui est à craindre, c'est qu'il monte la tête des gens contre nous. Je ne songe qu'à préserver la bonne marche des choses. Ah. Je vous en suis très reconnaissant. J'aimerais que vous trouviez un moyen légal de mettre Ching-Chen dans son tort. Tâchez de le coincer pour espionnage et il sera condamné. Il fallait que je te parle sans être dérangé. J'ai besoin de ton aide. Il faut assassiner Tien Pioa et ce ne sera pas un jeu d'enfant. Mais avec toi, nous pourrons peut-être gagner. Serais-tu un espion du Sud? Non. Alors pour quel motif veux-tu tuer Piao? Demain, le massacre va commencer, Ching. S'il n'y a pas assez d'argent à donner aux gens... Tuer n'est pas la solution. Tu refuses de tuer Chan Piao? La situation sera pire encore s'il meurt. Si demain il n'a pas l'argent des taxes, le massacre commencera. Et tu crois que la solution est de le tuer? Qu'il s'attaque à moi et alors je saurai me défendre. Mais il y a les autres, tu ne penses qu'à toi. Je ne veux pas t'aider. Débrouille-toi tout seul. Je pense que tu es un lâche et que tu as peur de lui. Peut-être que tu n'as pas mon expérience. J'ai failli être pendu pour ce genre d'acte. Tu as changé, et pas en bien. Je ne suis plus ton ami, Ching-Chen. Elle s'en retourne. Tu entends? Oh non. Allez, va-t'en, plus vite que ça. Au Ah! 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 Ah!
Un homme a franchi le barrage, mais je crois qu'il a des ennuis. Ah. Allons-y. Peu importe qui il est, il a besoin de nous, il ne tiendra pas longtemps. Non. Tu vas par ce côté. Allez, d'accord. Je m'en parle. Ching-Chen, j'ai du mal à te comprendre. Dis-moi ce que tu as au moins. Tu as l'air contrarié. Tu es mécontent de moi? Non, ce n'est pas ça. N'essaie pas de savoir. J'ai l'impression que... tu es ailleurs. Il serait normal que je t'ennuie si tu en aimes une autre. Dis-le-moi si c'est ça. Van Hu, aie confiance. Mais essaie d'être patiente. Parce que je t'aime par-dessus tout. Mais depuis un an, j'étais sans nouvelles. Pas une lettre de toi. C'est forcé que je me pose des questions. Elle ne m'a jamais quitté, cette photo. Qui est-ce? Je vais aller voir. Ah, c'est Tuk Tsi Han. Encore toi. Tu me présentes à ta ravissante fiancée, Ching-Chen? Van Hu, un ami, Tung-Tse-Han. Enchanté. Dis-lui de venir chez nous. Je vais aller faire du thé, d'accord? Elle est vraiment jolie, cette demoiselle.
Je vous comprends, t'as peur du risque. Et comment es-tu passé jusqu'ici? Je suis rusé, Chin. Et j'arrive toujours au but que je choisis. Et le but, c'était moi, hein? Je t'ai rendu service. Tu es toujours en dette envers moi, Chin. Et si je ne payais pas cette dette, grand naïf? Je te crois plus reconnaissant que tu ne veux que je le pense. Maladroit, bon à rien! Comment a-t-il pu prendre la fuite? Il est rusé, ce gars-là. Il est d'une force et d'une adresse étonnante. Et si on avait pas... Assez de pleurnicherie, imbécile! Comportez-vous en homme, si vous voulez qu'on vous respecte. Mais maintenant, il nous le faut par n'importe quel moyen. Cet homme doit être retrouvé. Non. Rentrons. Venez par là. Personne. Voyons les autres. Personne. Personne. Continuons. En ce moment, ils doivent me chercher partout et fouiller la ville de fond en comble. Le mieux est que tu restes caché ici. Sécurité. Je crois avoir compris que personne ici ne sait ce que tu as fait. Tu préfères le leur cacher? Si tu refuses de m'aider, je pourrais le leur dire. Tung Tsehan, si tu dis un mot de cette histoire, chantage pour chantage, je vais voir Tien Pioa, je te dénonce. Aide-moi à tuer Chang Piao et personne ne saura rien. C'est un marché immonde. C'est toi qui ne me laisses pas le choix des moyens. Je te répète que c'est non parce que j'ai payé le prix une fois. Chuan, va vite dire aux deux garçons qu'il faut qu'ils se cachent. Mais dépêche-toi, voyons, vas-y, il vous j'ouvre. Ouvrez, ou j'enfonce la porte. Voilà, voilà, une seconde. Oh, Seigneur Wang. Entrez. Laisse-nous fouiller. Ils sont à la porte. C'est Wang Tien Chuan et ses hommes. Il faut vous cacher. Excuse-moi. Cache-toi le mieux que tu pourras. Allez-y, fouillez partout. Alors, où est-il caché? Je te conseille de me le dire. Sinon, je t'embarque. Il n'y a personne d'autre ici que nous. Encore une invention pour que j'aie tort. Vous avez une imagination débordante. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu sais que c'est très grave. Tu caches quelqu'un. Je t'ai accordé une trêve et tu l'utilises en cachant un espion chez toi. J'ai vu les accusations, c'est une manie. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne serai content que le jour où tu pendras au bout d'une corde. Continuez. Oui, chef. Crois très fort, mais un jour je vous le ferai payer à toi et au tien. Nous partons. Eh bien. Où en est votre chasse? Sans résultat. Tu devrais avertir tes amis que cacher un intrus est une sale affaire. Les espions usent de tous les moyens, mais nous en avons aussi.
Dis-leur que la mort sera encourue par ceux qui l'auront cachée. Tu as entendu? Et dis-leur aussi qu'ils ont jusqu'à demain soir pour régler les taxes. Faute de quoi, je les ferai arrêter. C'est tout. Il faut le suivre partout, où qu'il aille. C'est un fou. Nous devons faire quelque chose. Oui, il est temps. Il fera ce qu'il a dit au sujet des taxes. Seulement, il les tuera tous après les avoir arrêtés. Or, personne ne pourra payer ces taxes. Je dois aller tuer Chan Piao. C'est la seule façon pour la ville de s'en sortir. C'est ce matin qu'il doit visiter l'usine désaffectée. Il faut que je lui tende une embuscade. Notre dernière chance est aujourd'hui. Il faut que je vous accompagne. Non, car je n'ai pas envie que tu meures aussi. Un seul suffit. Si je suis tué, l'école te revient de droit. Songe aux révolutionnaires, nos amis. Le jour où ils vont être là, il faudra quelqu'un pour les aider. Pour eux, les élèves seront là. Moi, je dois aller avec vous. Si vous y allez seul, vous ne réussirez pas. Les opérations seront finies dans 8 jours. Oui. Il faudra ici construire une tour de garde pour un guetteur. À mon avis, ce sera le meilleur moyen de... Li Tinghao, démasque-toi. Li Tinghao, on sait que tu es là-bas. Inutile de continuer à te cacher parce que tu es fait. Sors. Tu entends? Chan Piao, je dois te tuer. C'est pour le bien de tous que je le ferai. Yeah!
venus. Voyons. Faisons-nous des disciples de ce pauvre lit. Que son assistant collecte les taxes. Quant aux autres, tuez-les tous. Je ne peux rien faire.
Quelle horreur. S'ils ont pris tous ces hommes, c'est pour les tuer. Eh oui. Alors, Tarzan, dis-leur qu'ils doivent payer. Leur vie ne dépend que de leur volonté, tu le sais. Salopard! Tuer Chan Piao ne changera rien. Tu sais qu'il sera tout de suite remplacé. Essaie de raisonner. Chan Piao est une valeur incontestée, quels que soient ses défauts. Cela prendra un certain temps de le remplacer d'une façon valable. Et tous les gardes de Chan Piao, comment t'en arranges-tu? C'est pour cela qu'il me faut ton aide. Je veux pas t'aider, je te l'ai dit. Tu ne veux pas penser aux conséquences de ton refus? Alors je vais te le dire. Je ferai savoir à tout le monde que tu as été condamné. Et surtout, je ferai exécuter ta condamnation. Ching-Chen! Ching-Chen! Oh. Manu, qu'est-ce qui se passe? Chan Piao a tué Maître Li. Chan Piao? Li avait décidé qu'il allait tuer Chan Piao. Il s'est fait prendre par les gardes qui l'ont tué. Et les élèves de l'école? Excepté Ting Fong, l'assistant de Li. Ils ont tous été exécutés. Qu'est-ce que nous allons devenir? La situation serait changée si tous les hommes dignes de ce nom avaient agi comme l'a fait Li. C'est une honte de ne pas l'avoir aidé. Ah, voilà. Voilà, ce qui est là est à vous. Bravo. Je suis content. Range ça chez moi. Oui, chef. Wang Tianchuan. Oui. Je vous suis très reconnaissant. Ah, c'était une joie. Vous servir est un plaisir. Wang Tianchuan, demain, les Japonais vont venir. Il faut donc vous assurer de l'espion qui s'est introduit ici. Cette réunion d'alliés doit l'intéresser et ce doit être pour cela qu'il est venu. Il y a toutes les chances pour qu'il y soit. Soyez tranquille. S'il est à la gare, il se fera coincer. J'ai bien organisé la chose. Et je souhaite de tout cœur qu'il vienne. Il se retrouvera tel le rat dans son piège. Espérons-le, Tien Chuan. Hey. Miao. Oui, chef. Renforce le service de sécurité de la gare par d'autres escortes. Oui, chef. C'est un grand jour et ce sera l'apogée pour nous. Comptez sur moi, chef. Qu'est-ce que tu vas faire, Tung? Avant qu'il ne soit trop tard, je vais assassiner Chang Piao et le représentant japonais. Tu vas mourir en servant ton idéal, tu le sais. Il y a différentes sortes de morts, Chin. Je respecte trop la vie des autres. Pour craindre la mort, dans certains cas, la souffrance de nos gens est trop injuste. J'ai choisi le sacrifice plutôt que de vivre comme toi. Une minute. J'ai besoin que tu me dises si tous les hommes du Sud sont aussi courageux que toi. En tout cas, ils le sont plus que toi. Si aujourd'hui je suis tué sans avoir réussi, il y en aura d'autres qui viendront continuer la mission. Tung, attends. Tu n'as plus une seconde à perdre en bavardage juste stérile. J'ai honte de toi. Dis à Wang Mu que tu es indigne d'être son homme. Où va-t-il? Tu as l'air bouleversé. Il va en mission. Et je ne sais pas si nous le reverrons jamais ici. Il ne reviendra pas? Personne n'en sait rien.
À quoi penses-tu? Est-ce que je peux t'aider? Réponds-moi franchement. Crois-tu que la mort de Lee ait servi à quelque chose? Ça ne fait aucun doute. Mais de quelle façon? Puisque depuis, rien n'a changé ici. Chen Xiang, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Nous étions tous des lâches, subissant leur pouvoir, sans réaction. Maintenant, nous saurons aider les révolutionnaires. Et tout ça, parce que Lee est mort en héros. Van Hu, je vais faire ce qu'il faut, à condition que tu t'en ailles. Allez-vous-en tous les deux. Je te rejoindrai plus tard. Que vas-tu faire? Dis-le-moi! Le ciel soit avec lui. Ah!
Miao, ils vont se planquer dans Tung-Xiang. Il faut les reprendre avant ce soir. Un traître, je le sais. Dis-nous où se cache Ching-Xiang. Comment le saurais-je? J'emploierai la torture. Alors décide-toi. Tu veux parler? Tu veux parler? Parle, imbécile! Où est Ching-Xiang? Tu vas parler, oui? Non! Changer le rendez-vous, je m'en excuse. Soyez le bienvenu. Je ne voulais pas que vous couriez de risques. Les révolutionnaires voulaient nous tuer tous les deux. J'ai été forcé de leur tendre un piège. Ils y ont cru et nous pourrons discuter en paix. Chan Piao, vous avez donc arrêté ces tueurs? Sont-ils en prison? Non, ils se sont enfuis. Mais nous les aurons. Ils ne courront pas longtemps. Je m'en chargerai. J'aime tuer les renégats. Nos tractations sont-elles en bonne voie? Tout va dans le sens que nous voulons. Je suis certain de la victoire quand j'aurai évincé les derniers noyaux de la révolution. C'est pourquoi, afin de vaincre ces fanatiques et de gagner du temps, il nous faudra des munitions en quantité importante. Vous en aurez, soyez tranquille. Un bateau est en route. Nous tenons beaucoup à adjoindre cette région à nos frontières actuelles. Nous dépendons de vous à ce sujet. Et j'ai tout pouvoir de me porter garant de toute l'aide que vous désirez. Dans moins de quelques jours, vous serez ici chez vous. J'espère avoir ensuite un poste de choix en récompense. Je vous donne l'assurance que je m'en souviendrai. Ce pacte nous enrichira tous les deux. Pourquoi m'as-tu secouru? Je ne voulais pas que tu sois tué. Ne m'as-tu pas sauvé la vie aussi? Ton opinion a changé, j'en suis heureux. Ta passivité aurait pu faire croire que tu pencherais de l'autre côté. Quelle est la raison qui t'a fait changer d'avis? La mort de Lee est une injustice. Elle m'a fait réaliser que personne n'a le droit de demeurer indifférent. Tout ce que j'ai fait et dit, je le regrette. Maintenant, je sais que je dois lutter contre ceux qui veulent nous envahir. Le danger le plus grand, c'est l'existence de ceux qui nous vendent. Ceux qui prétendent vouloir notre bonheur. Chang Piao est un but de gloire et notre peuple lui sert d'échange. C'est pourquoi il faut l'éliminer. Es-tu enfin d'accord? Oui, il est d'autant plus dangereux qu'il est intelligent. Mais il y aura une justice contre ce salaud. D'après les informations reçues chez nous, les Japonais vont lui livrer les munitions. Le bateau devrait mouiller dans la baie et la livraison se ferait de nuit. Ce sera le lieu de notre action. Si Chang Piao reçoit l'aide qu'il attend, nous ne serons plus assez forts pour lutter. C'est donc notre dernière chance. C'est moi qui m'y rendrai pour tuer Chang Piao.
Allez par là.
Chan Piao, tout le monde attend pour danser à tes funérailles au village. Je suis téméraire. Allez, on verra. Hey!
Oh,